Moi, honnêtement, si tu me demandes ce que c'est la coop, j'ai l'impression que je me suis trouvé une bonne planque. Les coopératives d'habitation ont été créées parce que les gens voulaient avoir du contrôle sur leur propre loyer. C'est nous l'entité de la coopérative. Les coopératives d'habitation, c'est novateur, puis ça permet d'écouter un peu les besoins des membres puis construire à partir de ça. Moi, avant d'arriver ici, j'étais dans un logis privé et j'étais constamment à la merci de mon propriétaire. L'échange avec les gens qui habitent à la coopérative, qu'on aime beaucoup parce que ça fait partie de notre ancienne vie, si on peut dire. Wow. C'est quel comité qui doit s'occuper de la maintenance de notre pancarte de la coop Saint-Louis? J'imagine que c'est nous. Amène ton bicycle, on va souper les pneus. On n'est pas juste locataire, on est propriétaire. Alors moi, je me sens très, très propriétaire de mon édifice, que je veux que ça soit attrayant, que ça soit beau. Nettoyer leur terrain, ranger les outils dans la cabane. S'ils le font pas, c'est pas ma responsabilité. Ah oh non, c'est ta responsabilité d'insister qu'il aille la nettoyer. C'est la nature humaine, les coops. On imagine qu'on a une coop qui fonctionne bien parce que tout le monde finit par mettre du sien, puis ça va bien. Merci.